Si les mariés devaient se réincarner, en quel animal serait-il? Un lion, parce que c'est le roi de la jungle. Julien en cerf. Je verrais bien Julien faire le cochon. Peut-être un éléphant. Tu as toujours dit que tu avais une grande trompe. Un éléphant. Pourquoi? Parce qu'il a une grande trompe. Un chien. Le cheval. Le cheval. Un kangourou. Julien en Tarzan. Le sanglier. Pour le chasseur et en même temps pour son côté un peu rentre dedans par moment, taquin, rigolo. Un sanglier pour son poil. Alors, si Valentine était un animal, moi je dirais une chienne. Un peu folle, mais qui sait être câline également et à l'écoute. Valentine, comme un poisson rouge comme au mariage à Marie-Ève et Baptiste. Un singe. Un singe. Les chevaux. Le cheval aussi. Et Valentine en jet. Une coccinelle. Plus une chèvre, ça. C'est une baguette, voilà, c'est une curieuse. Je sais pas. T'es une maguette. Et Valentine. Un lapin. Un chat. Et Valentine, je pense en biche parce que Julien aime bien tirer les biches. D'après vous, quelles sont les qualités de Valentine qui ont séduit Julien? Son nez. Moi je dirais ses pieds. Ses doigts de pied plutôt. Les qualités de Valentine, c'est pas ton beurre. Le sens d'orientation dans les rues piétonnes de Lille. Pour moi, c'est son oreille gauche. Ce que je préfère chez Valentine, ben, je sais pas, mais ton petit grain de beauté, là. Chez Valentine, son oreille droite. Ce qui séduit chez Jus, c'est qu'il sait être rigolo, mais aussi en même temps, on peut parler sérieusement avec lui, donc il sait être à l'écoute. Et je pense qu'avec Valentine, il peut être très charmeur et attentionné. Quel est son plus gros défaut? La chasse. À votre avis, à quelle fréquence ont-ils des rapports sexuels? Cela ne nous regarde pas. Bon, on va dire 6 jours sur 7. Certainement plus que moi. Donc c'est au matin, avant le petit-déj. C'est une bonne question. Je dirais que le nombre de rapports sexuels qu'ils peuvent avoir par semaine, ça c'est leur souci. La seule chose, c'est que souvent, Valentine est plus demandeuse que Julien. Des rapports. Quelle fréquence? Moi je dis pas souvent. Ouais. Valentine, elle se met quand même souvent. Ouais. Mais Valentine, elle est chaude. Ah bah Julien, c'est 3 minutes douche comprise. Que pensez-vous d'un mariage le vendredi? Je m'en fous. Vendredi, c'est la journée du poisson. Le vendredi, bah ça fait une journée de repos en plus, ça tout compte fait. Ah, le vendredi, c'est les nobles hein, qui se marient. C'est la classe, hein? La classe. Ah, ouais, la classe quand même. C'est bien le vendredi, au moins, pour en profiter. Ah, moi, je dis que le vendredi, tout est permis. Le vendredi, c'est parfait. Tout est permis le vendredi. À chaque fois, c'est pas embêtant, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est bien parce que tu vas pas aller à l'école. Pourquoi? Bah, parce que c'est un vendredi et normalement, vendredi à l'école. Maman, nul. À votre avis, combien d'enfants auront Julien et Valentine? Une douzaine. Deux. Ils vont déjà essayer d'en faire un. Après, on verra. Déjà un. Voilà. À la fois. Ah, est-ce qu'il y a un petit coup? Un petit et coup surtout, pour lui, hein. Un petit garçon, hein, Tine? On va dire 3. 12, une équipe de foot. Ouais, c'est mal. Moi, je dis 4. 2. Valentine, ton revers au tennis, il est nul. Les défauts de Valentine. Elle est plutôt violente. Si moi je m'étais pas mariée le 7 mars, Julien et Valentine ne se seraient pas rencontrés. Et pourquoi?
Et on serait pas là aujourd'hui. Tu vas où? Je te jure, t'as pas été adopté. Tu reviens en vacances quand tu veux. Pourquoi j'ai choisi Valentine comme amie? Je ne l'ai pas choisi. Je n'avais pas le choix. Au cours de tennis, après moi, c'était elle la moins bonne. Donc si je voulais avoir de temps en temps la chance de gagner, voilà. Ouh. Est-ce que Valentine excelle au fitness? Oui, bien sûr. Mais bon, faut déjà qu'avant elle mange sa baguette au Nutella. Et puis, pendant la séance, il faudrait qu'on ne passe pas notre temps à discuter. Entre nous, ses baskets sont comme neuves. Vous comprenez? On a pris un abonnement trimestre, on n'y est allé que 5 fois. Et vous, quelle est la plus belle partie de leur corps? Oui, oui. Bah, comme on a vu en enterrement de vie de garçon, moi je dirais c'est sa biloute. Elle a fait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle a fait de tout petits tétons que je tâtais à ta tontaine. Elle a fait un tout petit... Valentine, j'espère que tu seras une bonne marraine pour mon petit garçon. Bon, une confidence, il s'appellera... Bah écoute, il faudra encore attendre un petit peu. Alors ce soir, j'espère que ton mariage, Julien, je vais rencontrer la femme de ma vie. On vous aime tous les deux, vous êtes adorables. Voilà. Valentine, Julien, tous mes vœux de bonheur, ma chérie. On vous souhaite tout le bonheur du monde, bisous. Je voulais leur dire que j'étais fière d'être leurs amies. Ça m'avait beaucoup touchée que Valentine m'a demandé d'être sa maquilleuse, fière d'être aujourd'hui présente parmi eux pour unir, pour leur union, pour unir leur bonheur. Et maintenant que la fête commence,